Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui du thème oser demander de l'aide. En effet, je me suis rendu compte que la plupart de mes clientes avaient beaucoup de difficultés à demander de l'aide, à oser aller vers les gens. En fait, elles ont l'impression qu'elles vont déranger, qu'elles n'en valent pas la peine. Demander de l'aide, c'est aussi quelque chose qui a toujours été assez compliqué pour moi. Mais j'ai beaucoup appris là-dessus quand j'ai démarré mon activité de coach. Tout était nouveau pour moi. Le métier lui-même, le métier de coach, mais aussi le fait de se mettre à son compte, d'être indépendante. En fait, tout ça, je ne connaissais pas du tout, et du coup, forcément, je n'ai pas pu le faire toute seule. Pour moi, demander de l'aide, c'est s'entourer de personnes compétentes, professionnelles, mais c'est aussi simplement parler avec les gens autour de soi, les gens proches de nous, les connaissances ou nouvelles connaissances qui sont toujours prêts à nous donner un conseil avisé. De parler aux personnes qui ont vécu la même chose que nous. Pour moi, c'était de parler à mes collègues coachs. Et tout ça, c'était vraiment pour moi très important et très précieux. Bien sûr, j'ai eu des déceptions, de belles déceptions même. Parce que finalement, ce n'était pas forcément les gens auxquels je pensais qui étaient prêts à m'aider. Mais j'ai eu aussi des moments magnifiques, de jolies surprises, de gens que je sentais qui étaient vraiment prêts à m'aider, à me donner un coup de pouce pour me faire connaître, pour parler de moi ou pour d'autres choses. Et ça, vraiment, c'était vrai, de très bons moments et c'était très très précieux pour moi. J'ai vraiment beaucoup appris sur ce thème, justement, d'oser demander de l'aide avec ça. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on risque quand on demande de l'aide? On risque un refus, on risque d'être déçu, justement, ou que notre ego soit blessé. Mais est-ce que c'est si grave? On se rend compte au fur et à mesure quand on demande de l'aide que les compensations sont beaucoup plus grandes que les déceptions. Déjà, on est toujours plus fort à plusieurs. Comme on dit, plusieurs têtes valent mieux qu'une. Donc, quel que soit le domaine pour lequel vous allez demander de l'aide, forcément, vous en sortirez meilleur. Aussi, comme dit avant, cela peut vous aider à voir la vraie nature des gens qui vous entourent. Vous vous rendez compte que finalement, ce n'est pas forcément les gens auxquels vous pensiez qui allaient vous aider. Ce sont bien sûr vos proches qui vont vous aider, mais parfois aussi des personnes vraiment que vous venez de rencontrer et puis qui sont là pour vous et ça vous permet de faire des rencontres magnifiques. Avec les gens qui vont vous apporter de l'aide, vous allez créer des relations profondes, plus profondes qu'avec d'autres personnes. Et puis, vous allez pouvoir leur apporter aussi de l'aide à votre tour, ou même apporter de l'aide à d'autres personnes. Et vous verrez que donner de l'aide, ça fait tout autant de bien que de la recevoir. Et puis finalement, plus vous allez demander de l'aide autour de vous, plus vous allez trouver ça facile et agréable. Mais si votre difficulté à demander de l'aide est bien ancrée, si vous avez trop peur de réveiller des vieilles blessures, alors pourquoi pas tenter un premier pas vers de l'aide extérieure? Mes coordonnées sont juste après ça. Si vous avez des questions ou des commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter. C'était Delphine Wolf, alias Delphi Coach. Très bonne journée et à bientôt!